Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, j'ai mis une petite photo. Vous avez pu voir qu'on a reçu ce colis directement de chez Bungie à Seattle. Voilà, donc on voulait directement faire l'ouverture de ce colis en vidéo. Donc voilà, je la fais directement avec vous. Allez, c'est parti, j'ai le petit couteau pour ouvrir. C'est bien scotché. Ça fait un long voyage quand même. Alors on se retrouve avec un... En fait c'est un sac, il contient un sac directement. Donc on en avait déjà un on avait déjà un sac en fait, hein, comme ça. Donc allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, je touche un peu pour voir. Ok. Allez, c'est parti, donc déjà on va commencer. Hop, un engramme légendaire les potes. Donc on avait déjà quelques engrammes pour ceux qui nous suivent. Et bien voilà, encore un petit engramme légendaire. En fait c'est des boules anti-stress, voilà. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, alors il y a des petits... Ouh, c'est pas mal, des petits, des espèces de petits badges. Donc vous voyez, on peut les accrocher. Voilà, on va les garder, je pense qu'on va les laisser dans le sachet. On n'est pas très porteur de badges, mais c'est vrai que c'est collector quand même, c'est pas mal. Alors je sais pas si vous les voyez bien. Il y a le logo Bungie. Ici, il y a un petit logo... Hop, là il y a un logo en fait, c'est de l'épreuve. Ici, en fait, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je touche, il y a encore d'autres trucs. Allez, on va prendre ça. Donc là, il y a un carton. Directement. Avec. Avec un mug. Tout simplement un gros mug américain, donc avec le, vous voyez, Bungie. Et voilà. Et le logo. En fait, faut savoir qu'on en avait déjà, vous voyez, regardez. On en avait déjà eu un. Celui-ci était noir, celui-ci est gris, donc pas mal, hein, ça change un peu de couleur. C'est plutôt stylé. Enfin voilà, franchement, ils sont très bien. Après, on n'a pas voulu les utiliser avec Lady parce qu'on a peur que ça parte, ils voulaient ça, en fait, au lavage. Donc voilà, on les a jamais utilisés, on les garde plutôt en, on va dire, en collector. Donc vraiment très sympa, franchement il est beau, hein. Il est sympa en gris, franchement magnifique. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors je touche, il y a pas mal de petits trucs, on va prendre ça là. Hop, encore des petits badges, alors c'est exactement les mêmes que les trois autres, là peut-être qu'on va mieux les voir. Donc ouais, le focus c'est pas terrible. Enfin voilà, vous avez le logo Bungie au milieu, franchement je sais pas du tout ce que ça peut être. Et un logo de l'épreuve. Hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors faut que je fasse attention. Alors il y a un petit pareil, ce qu'on avait déjà eu. En fait c'est un petit en fait c'est vierge, hein, c'est pour prendre des notes. Voilà, quand vous voulez prendre des notes, c'est parfait pour, bah, notamment pour ceux qui font des vidéos comme nous. Vous pouvez noter vos petites idées sur votre carnet, ça fait toujours un petit carnet à disposition. Puis voilà, l'effigie de Bungie. Donc là, vous avez tous les noms des jeux qui sont sortis chez Bungie avec la date de sortie. Hein, vous voyez, ça depuis 1991, je sais pas si on voit bien, avec Operation Desert Storm et jusqu'à bah, Halo Reach en 2010. Et puis bah, bien sûr, le dernier, né Destiny, qui n'est pas encore dessus. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, on a ça. Donc ça, c'est tout simplement. Et en fait, bah, c'est tout simplement. Je vais le retourner et je vais mettre mon doigt. Un revêtement blacksmith. Donc ça, je pense qu'on va vous le faire gagner très prochainement. Voilà, donc il y a un code sous mon doigt avec un revêtement blacksmith à gagner. Donc voilà, on en avait déjà eu. On en fera encore profiter l'un de vous et bien évidemment. Hop, alors là, il y a un t-shirt à l'effigie de Tekken King, donc ça franchement, ça tombe super bien parce qu'on n'en avait pas, on n'en avait pas encore avec Lady. Donc voilà, donc un t-shirt Tekken King, dans le dos vous voyez il est écrit Destiny, et en fait sur la manche, là vous avez un petit logo de Bungie. Franchement il est sympa, il est pas mal du tout. Ça me plaît bien ce petit t-shirt. Franchement, celui-là par contre on ne fera pas gagner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je touche un petit peu. Hop. Ah, on a encore un autre vêtement blacksmith. Vous voyez, donc je vais pas le retourner, il y a encore un code de l'autre côté. Donc voilà, ça fera encore un deuxième heureux parmi vous. Et je vais regarder, et je pense que là,
C'est pas mal du tout ce qui reste. Voilà, donc c'est tout simplement un journal de poche. Donc vraiment magnifique, un journal de poche. Alors par contre, je vais peut-être ouvrir pour vous montrer. Et franchement, ça c'est une tuerie. Alors attendez, je vais prendre mon petit couteau. Ah, je vous sens comme si c'était Noël, moi. Hop! Alors vous voyez avec le petit élastique, tac, et là vous ouvrez. Oh, vous voyez avec des personnages de chez Bungie, donc ça on peut l'enlever, on peut le laisser avec le logo. Eh, franchement, il est magnifique en cuir, les gars. Vous voyez avec ça des personnages, donc des chasseurs, des arcanistes. Et en fait, bah, il est complètement vierge. C'est pareil, c'est pour prendre des notes. Oh, celui-là, après, je pense pas que voilà, c'est le genre de bouquin sur lequel on prend des notes, c'est plus le bouquin qu'on garde en collection. Et franchement, il est super beau. Avec l'esprit du Nexus à la fin. Ouais, franchement, et attendez, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ah, il y a une pochette en fait. On peut mettre des trucs dans une petite pochette. Vous voyez, une espèce de petite pochette. Vous pouvez mettre bah, des petites notes, etc. Franchement, il est vraiment, mais vraiment terrible. Franchement, il est vraiment magnifique celui-là. Alors, celui-là, franchement, très beau cadeau. Donc voilà, donc on a fait le tour. Je vais quand même regarder s'il reste pas un petit quelque chose au fond du sac. Et non, on a fait le tour, vous voyez, puis c'est un petit sac, en fait, il se ferme, vous voyez, ça, c'est en fait, c'est une vis, un espèce de petit harnais avec le logo de Destiny, voilà. Donc franchement, on a fini l'ouverture, vous voyez, franchement, c'est pas mal du tout, je vais vous montrer une dernière fois. Donc, il y a le t-shirt, il y a le mug, il y a les Black Shader, un petit engramme légendaire encore, enfin voilà, c'est vraiment, franchement, merci, merci beaucoup à Bungie de nous avoir fait parvenir tout ça fait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire tout simplement dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces objets et surtout quel est votre préféré. Donc je pense que ça va se faire entre le mug, l'agenda et le t-shirt certainement. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire les potes. On vous dit à très bientôt et prenez soin de vous. Tchuss! Et voilà les potes, donc avant de clôturer cette vidéo, je trouvais ça dommage de pas faire gagner un revêtement Blacksmith, donc tout simplement dans cette vidéo. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le carton. Donc il faut savoir que ce code est à usage unique, donc il y a un seul d'entre vous qui pourra gagner ce revêtement. Bonne chance à vous, et moi je vous dis à très bientôt les potes.